Alors, on a mis combien de temps pour arriver? 1h15? 1h30? Non, franchement, si on enlève la foire, le tram, le tunnel de coin qui est fermé, franchement, tout va bien. Hein? Vraiment, il n'y a aucun problème de circulation à Liège en ce moment. Je suis sûre qu'il y en a certains qui sont allés à la foire qui ont dit du chou. On va aller souper sur la foire, hein, avant d'aller au spectacle. C'est sûr, hein? Oui, hein? On va prendre 2 saucisses géantes qu'on va manger avec notre masque. On va aller sur le Decadence et puis on ira voir le spectacle. Hein. Je vous conseille de faire l'inverse. Le Decadence, puis la saucisse géante. Sinon, vous risquez vraiment des problèmes. Mais moi, ça fait des années que je ne suis plus allée à la foire, c'est vrai. Quand je passe devant la foire, je me sens si vieille. C'est vrai, je me dis, moi, c'est plus de mon âge d'aller à la foire. C'est les jeunes qui vont à la foire ou ceux qui ont des enfants, vous voyez. Alors vous vous dites, mais enfin, elle est si jeune. Oui, c'est vrai. Mais je ne suis plus aussi jeune qu'avant, vous voyez. Moi, maintenant, j'ai 32 ans. Oui, j'ai 32 ans. C'est fini, la Manon Le Pomme de 20 ans, qui dansait jusqu'à 5 heures du matin dans le carré, qui s'enfilait des picombières et des péquets. C'est terminé, ça, hein? Qui dansait, qui vomissait, qui rebuvait, qui redansait. Non, c'est fini. C'est fini, maintenant, quand je bois 3 verres de vin, le lendemain, je me dis, fou, c'est un peu exagéré, non? C'est terrible. C'est terrible comme constat. Ou alors, je me dis, oh, j'aurais peut-être pas dû prendre du café. Du café! Mais à 20 ans, tu bois pas de café! Mais tu bois vraiment pas de café quand t'as 20 ans! Ou pire, parfois je demande, tu n'as pas une infusion xanthéine? Tu te dis, mais ça me va pas, on a franchi un cap. C'est vrai, je disais à Benoît, donc Benoît c'est mon compagnon, je disais, Benoît, on n'est plus les jeunes chiens fous qu'on était avant. Alors déjà, j'utilise l'expression jeune chien fou. Quand tu as 20 ans, tu n'utilises pas l'expression jeune chien fou. Tu ne sais même pas que ça existe, à la limite, des jeunes chiens fous. Ah non, c'est terminé. Je suis plus un jeune chien fou. Hein. Et par exemple, ce que je fais souvent maintenant que j'ai 30 ans, je regarde par la fenêtre, je regarde mon jardin. Ouais, à 30 ans, on a un jardin. Et je regarde le jardin et je dis chou. Déjà, je dis chou. Chou, regarde un peu les bégonias que j'ai repiquées. Ils sont en train de fleurir. On n'a pas eu beaucoup de tomates cette année, il a fait trop humide. Ah! Mais je deviens ma mère en fait. J'ai pas 30 ans, j'ai 65 ans. Ah oui, mais je fais plein de trucs comme ma mère maintenant. Je fais comme ma mère, je cire mes chaussures. Je les cire, je mets du papier journal dedans, je les range pour la saison d'après. Mais quand t'as 20 ans, tes chaussures, tu les gardes toute l'année? Tu commences pas à les cirer, à te poser la question, à dire, oh ben comme ça, elles auront la belle forme. Et t'es content? Le pire, c'est que je suis contente quand je les retrouve après. On regarde comme elles sont toutes belles, elles ont gardé la forme. Non, c'est affreux. Enfin, tout n'est pas grave dans le fait de ressembler à sa mère. Par exemple, moi, ma mère, elle est toute fine. D'où cette physionomie de rêve. J'entends des rires moqueurs, c'est dégueulasse. Et oui, et j'ai hérité aussi de la poitrine de ma mère. Ma mère, elle a des seins, paf, qui tiennent tout seul comme des pommes, paf, comme ça. Non, mes copines, elles m'appellent Khéops, parce qu'ils tiennent tout seuls comme une pyramide. Je vous jure, c'est très impressionnant. Mais non, on n'a plus... Et puis alors, quand tu es une femme, et que tu as 30, 31, 32 ans, il y a un truc qui t'envahit, un truc complètement dingue, un truc qui arrive vers toi, et qui fait, tu veux des enfants, non, j'en veux pas, je vous jure, j'en veux pas, j'en ai jamais voulu, j'en veux pas. Si tu en veux. Ça s'appelle l'horloge biologique. Alors, il y a des femmes, elles ont une petite flic-flac, vous voyez, toutes discrètes qu'on va pas. Moi, c'est Big Ben et tout son clocher qui s'est emprunté de mon corps. Qui est venu frapper à mon utérus, toc, toc, toc. Enfin, ça fait plutôt... Ouais. 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 Ton utérus, c'est pas du bois, c'est une muqueuse, hein, donc ça fait... Et qui te dit, si, tu veux des enfants, tu veux des enfants. Oh oui, tiens, on en fait combien? 10, 11, 12? Oh, non,
Non, on va pas en faire. Tu sais quoi? On va pas en faire, Benoît, parce que franchement, t'as vu le monde dans lequel il est, t'as vu le climat, les disparitions. Non, c'est vraiment horrible. En plus, tu sais, nous, Benoît, on est dans une démarche écologique et il paraît que si tu as envie de faire un effort pour la planète, il faut que t'aies un enfant de moins que ce que tu veux. Donc nous, on n'en veut pas. On va peut-être devoir en tuer un. Donc non, tu vois? On va pas. Non. Non, on va pas en faire. Et puis le lendemain, je suis là, on en fait combien? 4, 5 finalement, je sais plus ce qu'on a décidé. Puis alors là, il me dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Mais décide-toi. Toi, tu sais pas décider. Non, je sais pas me décider, Benoît, je sais pas me décider. Tu sais pourquoi je sais pas me décider? Parce que ce sont mes hormones qui partent, tu vois? Elles sont en train de me parler, elles sont là, elles sont en moi, c'est pas moi qui partent, ça va? Donc maintenant, tu vas tout te calmer parce que j'en peux plus. Et là, il me dit, mais calme-toi, calme-toi. Et là, il dit la phrase que toutes les femmes détestent entendre. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as? T'es réglé? Alors oui! Oui, Benoît, je suis réglée, oui, je suis réglée. Ça te pose un problème? À toi que moi, je sois réglée, ça te ferait rire, toi, pendant une semaine, tous les mois, t'as du sang qui coule entre tes jambes, ça te ferait rire? Ça te ferait rire de te poser la question, tiens, qu'est-ce que je mets dans mon pantalon blanc? Ben non, je vais mettre mon pantalon blanc, parce que si je fais ça, ça va poser problème. Oh merde, je vais peut-être faire une tache sur un siège, ça te ferait rire, toi, ça peut-être? Oh oui, toi, ça te ferait rire, oh merde, j'ai oublié de prendre un tampon, ah, mais non, faut pas que je prenne un tampon, parce que je risque le choc toxique. Ah, mais non, peut-être que je devais prendre des serviettes hygiéniques, mais c'est pas écologique, ça te ferait rire, ça, Benoît, ça te ferait rire. Les applaudissements, il y a des mecs qui feraient mieux de bien écouter, voyez. Non mais vraiment Benoît, ça te ferait rire, ça te ferait rire toi d'avoir tout ça une semaine par mois, ça veut dire un quart de ta vie, ça te ferait marrer. Oui mais moi j'ai la gueule tous les matins, t'as pas l'impression que t'es plus pénible, non? Monsieur là, j'éternue 3 fois, j'appelle le médecin parce que je crois que j'ai un cancer du nez. C'est bon là maintenant? Tu sais quoi Benoît, je vais te dire, j'ai décidé, j'en veux pas des enfants, parce que si c'est pour avoir des enfants qui te ressemblent, c'est non merci.